Bonjour, bonjour. Nous sommes dans la serre de Michel, qui travaille à Albec. Et nous sommes le 27 février, et à l'extérieur, c'est un peu un temps épouvantable, la pluie. Mais malgré tout, des températures plus ou moins douces pour la saison, on a une dizaine de degrés, mais bon, il pleut beaucoup. Les poules se mettent à l'abri. Alors, pas du très beau temps non plus. Alors, on peut regarder ce qu'il y a encore dans la serre ici chez moi. Donc, on peut voir que malgré que nous sommes en février, il y a encore pas mal de légumes à manger. Donc, on peut un peu regarder là au bout. Donc la serre est encore bien remplie. Donc ici on retrouve de la mâche, la grosse graine, donc la mâche de Hollande. Donc voilà, elle a été semée fin octobre, début novembre même, après l'arrachage des plants de tomates et de poivrons. Et voilà, le semis est là tout près. Donc déjà prêt à manger d'ailleurs, malgré que bon, il y a encore toujours ici à l'extérieur de la serre des rangées bien grandes encore, qui n'ont pas été atteintes par le froid. Alors ici à côté, sous le grillage, donc là, je viens de semer des carottes hâtives, donc des carottes demi-longues d'Amsterdam. Donc c'est les premières carottes que nous mangerons à partir de juin, mai-juin. Ici à côté des scaroles, endives scaroles. Donc c'est la variété Natacha, donc qui est tout à fait indiquée pour la culture en serre, en hiver. Donc on voit que ça fait des belles petites pommes, ça commence à bien tourner. Voilà, ça fait des belles pommes. Donc et malgré l'hiver, donc on a quand même eu des moins 7 à l'extérieur. Donc les plants ont été un peu figés, ils n'ont pas beaucoup bougé pendant tout l'hiver, et ici avec le printemps qui s'annonce, les plantes commencent à pousser. Donc dès qu'il y a un peu de soleil, voilà, la température s'élève dans la serre, et voilà, les premières verdures seront là à manger. Donc à côté on a une double rangée d'ail de Lautrecht, donc c'est une variété d'ail du Midi. Donc une petite expérience, faire pousser ça en serre, on peut voir le résultat. Alors ici, on a des laitues d'hiver, donc quelques-unes ont disparu. Donc on voit que ça commence à tourner, à paumer. Certaines seront malheureusement trop dégradées, et voilà, ça sera à enlever et éventuellement donner un peu de poule, et à remplacer par d'autres, donc d'autres laitues que l'on a semées maintenant. Donc à côté, ce sont des oignons radars. Ici, quelques laitues d'hiver qui sont un peu plus belles, qui se développent bien. Donc il suffit simplement de cueillir les feuilles extérieures, faire chaque fois le tour de chaque laitue et de consommer les feuilles extérieures. Et laisser le cœur repousser, donc ça permet d'avoir des laitues pendant très longtemps, en évitant d'arracher le pied. Alors ici on a la rouge grenobloise, donc c'est une laitue toute saison. Donc là aussi elle est restée très petite pendant tout l'hiver, à ce stade là à peu près, hein, comme ça. Et ici voilà, on peut voir que les plants
à côté, là, commence à bien se développer. Et là, on fera pareil, on va cultiver, on va récolter au fur et à mesure les feuilles extérieures. On attendra encore un peu avant de commencer ça. Donc là, nous avons encore une double rangée d'oignons radar, avec encore quelques laitues que j'ai repiquées avant l'hiver. Et là, tout à fait près de la vitre, dans le coin, j'ai planté quelques oignons blancs. Donc pour avoir des premiers oignons blancs à manger hâtivement, donc à manger en verre. Donc je viens de les planter. Voilà, petite bulle bille blanche. Alors, si on regarde de l'autre côté de l'allée, que retrouve-t-on? On retrouve encore pas mal de choses ici. Donc, on a la Mizuna. Donc, c'est un peu la variété des choux chinois. Donc, mais frisée, donc ouverte. Donc, quelque chose qui résiste bien au gelé, donc même à l'extérieur. Et voilà, il suffit de couper, d'ajouter ça dans les salades. À côté, on retrouve la roquette. Donc là aussi, on récolte feuille par feuille en laissant le plant bien repousser. Alors, ici à côté, on a des cerfeuilles. Donc, commence à bien se développer aussi maintenant. Donc, pour les premiers potages aux cerfeuilles de ce printemps. Alors là-bas, côté de l'arrosoir, on peut voir que la ciboulette chinoise à feuilles plates donc se développe. Donc ils ont déjà 20 cm d'auteur et voilà, c'est vraiment quelque chose qui pousse facilement. Alors en serre, évidemment, ça a déjà démarré. Alors sur les tablettes, on retrouve donc des géraniums que j'avais rentrés à l'abri à l'intérieur. Et bon, ici je remets un peu en culture, je remets un peu d'eau. On voit que tous les anciens pieds de géranium voilà, repoussent. Donc il faudra un peu patienter, voir qu'est-ce que ça donnera. On pourra peut-être encore faire prélever des boutures. On verra un peu comment ça se comporte. Alors ici à côté, donc j'ai une barquette avec les artichauts, les semis d'artichauts. Donc ici ce sont des vers globes. En première année que je mets ça, d'habitude c'est des vers de l'an. Mais ici, voilà, une autre variété. Donc ça lève bien. Donc c'est un peu dans des alvéoles. Donc et par la suite ils seront repiqués individuellement en pot. Mais pour ça, il faut attendre les deux vraies feuilles. Donc ici, on a les deux cotylédons. Il faut au moins attendre les deux à trois vraies feuilles avant le repiquage. Voilà, on va remettre ça à l'abri. Alors ici, à côté, on a des pieds d'alouette qui repoussent. Donc c'est des pieds d'alouette qui ont été repiqués l'année passée, voilà, qui ont été mis en pot. La verdure a complètement disparu, voilà, ici que le printemps ça repousse.
Alors ici, sous la cloche, on a les premiers semis de différentes choses. Voilà, il y a des choux blancs, des choux express, des laitues. Des choses qu'ils ne lèvent pas encore. Alors, des choux de brême. Donc ici, des choux de brême. Donc un chou coupé. Donc là aussi, ça va être repiqué individuellement, soit dans des alvéoles ou soit dans des godets pour repiquer à l'extérieur. Donc il y a encore des choses qui doivent pousser. Là, on voit les premiers poireaux qui se pointent. Bon, ça c'est un peu plus lent. Après, des laitues, des choux rouges qui ne lèvent pas encore, laitues 4 saisons. Un persil, bon, ça c'est un peu plus lent évidemment. Voilà. Tout ça c'est mis en serre parce qu'à l'intérieur ça risque de filer, donc trop chaud. Tandis qu'ici, avec une protection, voilà, ça pousse lentement. Donc ici, ici des laitues, selon la quête. Et voilà, ici j'ai repiqué mes premières laitues en godet, en des alvéoles. Donc ce sont des laitues 4 saisons. Donc les rouges 4 saisons. Donc, voilà. Une fois qu'elles seront plus grandes, elles seront repiquées individuellement, en serre probablement, ou bien en couche. Et plus tard, même à l'extérieur, bon, ça ce seront pour les prochain repiquage. Voilà, toujours une double protection. Donc, même quand les nuits sont fraîches, voilà, il y a la serre et en plus une mini-serre. Donc, toujours sans chauffage, évidemment. Alors, ici, encore des laitues, reine de mai, et encore des 4 saisons. Et là, ce sont des oignons blancs. Donc, qui seront aussi repiqués, ce sera pour manger en verre. Et ici au-dessus, voilà, j'ai aussi encore quelques barquettes, voilà, de laitues à couper, voilà, qui peuvent être repiquées aussi. Et ben voilà. Donc la serre en hiver est malgré tout bien remplie déjà. Donc les premiers rayons de soleil là font énormément de bien pour la pousse. Et ce seront nos premières verdures à manger toutes fraîches. Donc bien qu'il en reste encore à l'extérieur. Donc ici voilà, c'est le lien, donc c'est la soudure avec la nouvelle saison qui s'annonce. Voilà, à bientôt.